Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Eh bien, les champions s'installent sur la première et c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur la première quand il sonne 16h. Je tiens à dire merci à Samuel qui a assuré le derrière quand je n'étais pas là. Merci encore une fois à Samuel et merci à vous. Depuis la maison, vous vous installez. L'émission commence maintenant. Bonsoir Alex. Bonsoir ma gloire. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Ce soir, Isidore revient pour tenter sa troisième victoire. Veuillez l'ovationner, s'il vous plaît. Isidore, bonsoir, ça va? Très bien. Il joue avec nous ce soir. Veuillez ovationner Roi, s'il vous plaît. Roi, bonsoir. Ça va? Très bien. Et ce soir, à la troisième position, nous retrouvons Victorien pour sa première tentative. Bonsoir Victorien. Bonsoir Mabra. Et enfin, il joue avec nous ce soir, Kassim, sous vos ovations s'il vous plaît. Bonsoir Kassim. Ça va? Très bien. Merci Alex. Voilà, donc Isidore, Roi, Victorien et Kassim, ce sont là nos quatre candidats de l'après-midi. Isidore qui est là pour tenter une troisième victoire. Ça peut aller? Ça peut aller. Très bien et bonne chance, on va dire. Merci beaucoup. Voilà, juste rappeler aux téléspectateurs ce que vous faites dans la vie. Je suis étudiant en deuxième année en botanique. Et botanique? Oui. OK. Et je suis un agro-businessman. Ah, très bien. Et vous nous arrivez de? Je viens de Adido Gomé. OK. Allez, super. Je vous souhaite une bonne chance. Vous le savez, l'émission, c'est en quatre manches. Et tout de suite, la toute première, la 5 à la suite. Voilà, 5 à la suite. Isidore, pour démarrer cette émission, et vous le savez, nous sommes bien lundi, c'est le début de la semaine. Et beaucoup de bonnes choses, en tout cas, à vous souhaiter. Isidore, on démarre avec la 5 à la suite. Et ces 5 thèmes, vous avez donc l'opportunité de choisir le premier thème qui vous convient parmi les 5. Et on va jouer cet après-midi avec les langues et alphabets du monde, les symboliques des couleurs, les artistes féminines, les mots de l'économie et des finances, et puis l'identification des images des acteurs de cinéma africains. Je prends le thème 5, l'identification d'images des acteurs du cinéma africain. Très bien, on va identifier donc les acteurs du cinéma africain. C'est des photos à identifier. Vous regardez juste les photos qu'on va vous présenter et dites-nous juste le nom, voilà, de ces acteurs. 5 au total, avec à chaque fois 4 propositions et on y va avec la toute première photo pour Isidore. Il s'agit de qui? Vous avez 4 propositions. A. Ina Sissé. B. Isaka Savadogo. C. Seydou Boro. Ou D. Théophile Souvier. Sur cette photo, il s'agit de qui? Il s'agit de Isaka Savadogo. Isaka Savadogo, vous me dites, c'est la bonne réponse. Un point pour bien démarrer cette émission. La seconde image, et avec la seconde image, elle présente qui cette photo? S.A. Rassmane Ouedraogo, Aziz Ndiaye, Joseph Tapsoba ou Hassan Kassi. C'est Rassmane Ouedraogo. Vous me dites Rassmane Ouedraogo. Bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il est de nationalité burkinabé. Tout comme Isaka Savadogo, burkinabé également. Et la suite, avec cette photo. De qui s'agit-il? A. Faraba. B. Sotigui Kouyaté. C. Bala Moussa. D. Abid
Dembele. Sotigui Kouyaté. Sotigui Kouyaté, vous me dites, oui, c'est le Malien. Sotigui Kouyaté, c'est la bonne réponse. Ça fait 3 points, 3 sur 3, bien joué. Et la suite, qui est-ce sur cette photo? Il s'agit de A, Fatoumata Diawara, B, Mairama, voilà, Yeye Inamoja, ou D, Awa Traoré. Il s'agit de... Oui. Mariama Yeye. Non. Oh. C'est plutôt Fatoumata Diawara, de nationalité malienne. De qui s'agit-il là, sur cette photo, la toute dernière, la cinquième? A. Dimo Ossou. B. Zerombolo. C. Tola Kukui. Ou D. Hubert Koundé. Premièrement, je suis fan de lui, je le connais bien, c'est Dimon Rousseau. D'accord. Dimon Rousseau, il est de quelle nationalité? Il est un Béninois. Oui, Béninois, mais acteur américain. Bon, acteur américain, oui. Il est souvent dans l'armée. Pardon? Il prend des rôles d'acteur dans l'armée, bon, souvent. Okay. Quelques films dans lesquels il a travaillé avec l'armée américaine lors d'une intervention contre les djihadistes. Non, je parle des films, les titres de films dans lesquels il a joué. J'ai oublié les films, mais je me souviens du scénario. Il a joué aussi dans Fast and Furious. Fast and Furious. Je crois le 7 ou 8. D'accord. Truc comme ça. Fast and Furious. Vous avez regardé ça? Oui, j'ai regardé de 1 à 9. Ah, d'accord, très bien. Ça fait quoi, 4 points sur 5? Très bien. Bravo Isidore. Et pour la suite, Roi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en sciences animales et vétérinaires à l'École supérieure d'agronomie. OK. Et vous... Et également... Oui. Formateur, musicien. Ah bon, hein. D'accord. Vous formez les musiciens, c'est ça? Oui. OK. Et vous arrivez de? Je viens de Kégué. Kégué? Oui. D'accord. On joue? Oui. Puisqu'on est là pour ça. Et on a les langues et l'alphabet du monde, la symbolique des couleurs, les artistes féminines, et puis, les mots de l'économie et des finances. Je choisis les langues et alphabet du monde. Langue et alphabet du monde. Du monde. D'accord, très bien. Langue et alphabet du monde, ça fait aussi 5 questions, d'accord, et 4 propositions à chaque niveau. On commence avec la première question et je vous souhaite bonne chance. Il faut faire mieux que 4. Merci. D'accord. Quel alphabet international utilise des combinaisons de points et des traits? Quel alphabet international utilise des combinaisons de points et des traits? A. L'espéranto. B. Le morse. C. Le braille ou D, le géorgien? D, le géorgien. Non, du tout. C'est plutôt le morse. J'utilise les points et les traits. Et c'est beaucoup plus utilisé dans l'armée, le morse. Et puis, je crois, les bateaux aussi utilisent ce signe de communication. Le morse, OK? Voilà, donc inventé pour la téléphonie et la télégraphie en 1835. C'est beaucoup plus utilisé dans l'armée. Allez, quel est l'autre nom de l'alphabet russe? C'est la question de A, cyrillique, B, gothique, C, syriaque ou D, arménien. L'alphabet russe.
J'ai vu une graine laitue. Quel est l'autre nom de l'alphabet russe? A. Cyrillique, c'est des propositions. B. Gothique. C. Syriaque. Ou D. Arménien. Arménien. Non. Et pas de l'arménien, c'est plutôt l'alphabet cyrillique. Le breton est une langue. Le breton est une langue. Comment appelle-t-on une personne qui la parle, cette langue? C'est un... S.A. Une personne bretonne. B. Une personne bretonnante. C'est une personne bretonnière ou une personne bretonique, D. Oui. Une personne bretonique. Une personne bretonique. Hein? Une personne? Oui. Une personne? Bretonique. Bretonique. Bretonique? Oui. Non. Une personne bretonnante. C'est une personne bretonnante. Vous êtes toujours à zéro point, mon cher ami. La quatrième, l'avant-dernière question. De quel pays le chichewa est-il l'une des deux langues officielles avec l'anglais? Chichewa. A, le Malawi, B, la Zambie, C, la Namibie, ou D, le Mozambique. Le chichewa est la langue officielle, la deuxième langue officielle de quel pays? Malawi, Zambie, Namibie, Mozambique. Roi? La proposition D, Mozambique. Moi, je suis d'accord pour la proposition A, le Malawi. Oh. La bonne réponse est le Malawi. Et on termine. Quelle est la première langue la plus parlée dans le monde? Parmi les quatre propositions. A, l'espagnol. B, le chinois. C, l'anglais. Et D, le latin. La langue la plus parlée dans le monde. L'espagnol. Le chinois, l'anglais et le latin. L'anglais. Non, c'est le chinois. Ah oui, c'est le chinois qui est plus parlé dans le monde. Vous connaissez la population chinoise? Ah oui, ah oui. Voilà. C'est... Il faut... Autour de 2 milliards. Ah ben voilà. Comparé à l'anglais, vous comprenez, voilà. Donc, la langue la plus parlée dans le monde, c'est bien le chinois. Allez, zéro point pour Roi. Donc, vous tous, vous étiez pour l'anglais. Allez, non, c'est pas l'anglais, mais plutôt le chinois. Allez, zéro point pour Roi. Et la suite avec Victorien. Bonsoir. Ça va, Magla? Ça va bien, Magla. Très bien, je vais bien aussi. Oui. Vous faites quoi dans la vie, Victorien? Ok, je suis assistant médical. Ok. Bon. Où ça? Un auxiliaire d'État en pharmacie. Pharmacie? Auxiliaire d'État en pharmacie. Et vous exercez où? Je suis vous au servez où? Bon, voilà. Je suis au CHR Lomé Commune, pour le moment. CHR Lomé Commune? CHR Lomé Commune. Ça fonctionne? Non, mais... Bon, ça va dans l'ensemble. Oui, je sais que beaucoup ont été redéployés. Hein. Oui, oui. Vous êtes toujours là-bas? Bon, oui. Puisque bon, c'est le centre COVID qui... pour le moment. Le centre COVID, voilà. Et donc, vous servez toujours? On sert toujours. D'accord. et vous-même, vous habitez? Je suis dans Zanguera. Dans Zanguera? Ah, vous quittez Zanguera pour... Oui. OK. Zanguera, bah... plus précisément, Sangirame. Comment? Sangirame. Bon, je ne connais pas. Ah, bon, c'est pas loin de la pharmacie Sangira, si vous connaissez. Bon, jusque-là, okay. D'accord. Pour ceux qui connaissent bien la localité. Juste à 1 kilomètre. Hein. Combien? À 1 kilomètre de la pharmacie.
OK, à 1 km. Ce n'est pas trop loin. Bon, peut-être que vous, à moi, vous pouvez m'étudier par rapport au poste de péage. Poste de péage. Et... Non, là, vous êtes trop parti. Déjà, le marché. Bon, allez. merci en tout cas. Mais ce n'est pas trop loin pour vous, quitter Zanguera bon, pour... bon, mais on fait avec. Allez, très bien. On joue, mon cher Victorien. Vous avez entre la symbolique des couleurs, les artistes féminines et puis les mots de l'économie et des finances. Il y a un qui vous parle ou pas? Bon. La symbolique des couleurs m'inspire un peu. OK. Parmi les autres. Parmi les autres, voilà. OK. On s'essaye? On va essayer voir. Bonne chance. Ça doit aller. Merci beaucoup. OK. On va s'essayer. Oui, bonne chance à vous. Merci, ma gueule. Et dites-nous, pourquoi les premiers billets de banque du dollar américain étaient de couleur verte? A. Associé au jeu d'argent. B. Associé à la liberté. Avec la couleur, bien sûr. C. Associé à la nature. Ou D. Associé à l'économie. La bonne réponse. Pourquoi cette couleur verte? Elle est associée au jeu d'argent, à la liberté, à la nature ou à l'économie? C'est associé à la nature. Non, plutôt associé au jeu d'argent. Yeah. Oui. D'accord. Laquelle de ces quatre couleurs n'est pas une couleur fondamentale? D'accord. A, l'indigo, B, le rose, C, l'orange ou D, le rouge. La proposition A, l'indigo. Ou plutôt le rose. Oh, c'est oui. Reconnu? On réagit maintenant. D'accord. Quelle est la couleur du deuil? Au Japon. Au Japon. Oui. On a quatre possibilités de réponse. A, le noir. B, le jaune. C, le gris. Ou D, le blanc. La couleur du deuil au Japon. Le noir, le jaune, le gris ou le blanc. Dites-moi ce que j'ai envie de savoir. Puis oui. Ce que je connais de façon générale, je ne sais pas si c'est effectivement général. Bon, allons-y. Bon. Ah. Le noir. Le noir. Ça, c'est en Afrique. Au Japon, c'est le blanc. Oui, le blanc. Ah, OK. Ah, quand t'es, c'est le blanc. Ah non, au Japon, c'est le blanc. D'accord. Avant d'être le symbole de l'anarchisme, que signifiait le fait de hisser un drapeau noir en haut du mât d'un bateau? Hisser un drapeau noir en haut du mât d'un bateau signifiait quoi? A. L'imminent abordage de pirates. B. L'imminent abordage de corsaires. C. Code d'identification des bateaux contaminés par la peste. Ou D. Signalisation d'une panne d'un bateau. La bonne réponse, c'est... Avant donc d'être le symbole de l'anarchisme, que signifiait le fait de hisser un drapeau noir en haut du mât d'un bateau? A. L'imminent abordage de pirates. B. L'imminent abordage de corsaires. C. Code d'identification des bateaux contaminés par la peste. D. Signalisation d'une panne d'un bateau. Bon, D. Signalisation d'une panne. D'un bateau. D'un bateau. Oui. Et plutôt l'imminent abordage de pirates. Wow. Voilà. Et on termine. Peut-être que celle-là sera la bonne pour vous. Quelle était la couleur de la robe de mariée en France au XIIIe siècle?
13e siècle. Oui. Quelle était la couleur de la robe de mariée en France? A. Rose. B. Blanche. C. Rouge. Ou D. Violet. Ouais. Et la couleur, les robes de mariée étaient de couleur. Je sais que c'est entre, je doute entre deux. Oui. A ou C. Faites un choix alors. entre A et C. OK. Et vous penchez pour. Bon, c'est pour avoir un point. C'est-à-dire, c'est pour avoir un point. C'est-à-dire. C'est la bonne réponse, quoi. Oui, mais si c'est la bonne réponse. Bon, oui. Alors, la réponse, c'est. Rouge. Rouge. C'est la bonne réponse. Ouais, c'est la bonne réponse. Les robes de mariée étaient de couleur rouge au 13e en France. Allez, ça nous fait un point? Ah, très bien. Voilà. Kassim, bonsoir. Bonsoir, ma gloire. Ça va? Ça va très bien. Vous faites quoi dans la vie, Kassim? Moi, je suis étudiant en sciences et en animalerie vétérinaire à l'école supérieure d'agronomie. D'accord. Et vous arrivez de? Kégué. Très bien. Vous avez le choix entre deux thèmes. Les artistes féminines et puis les mots de l'économie et des finances. On va où? Les mots de l'économie et des finances. OK. Ils vous parlent beaucoup plus? Bon. Ou... Bon, j'en connais un peu. Un peu? Ouais. Bon, OK. Il y a 4 points à battre. Hein. Les 4 points de Isidore. Il faut faire mieux que les 4. OK? OK. On y va avec les mots de l'économie et des finances. La première question en économie, qu'est-ce qu'un ticker? A. Le symbole boursier d'un titre. B. Le numéro du compte. C. Le libellé d'un chèque. Ou D. La carte bancaire. La bonne réponse. C'est. C. Le libellé d'un chèque. Non, mais plutôt le symbole boursier d'un titre. Et comment appelle-t-on la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie? A, l'inflation. B, la TVA. C, le PIB. D, le déficit. Ça, vous devez l'avoir. Oui? Kassim? Oui. Le PIB. Champion, vous l'avez? C'est l'inflation. C'est pas le PIB, mais plutôt l'inflation. Kassim, encouragez-le, s'il vous plaît. OK. Maintenant, dites-nous, Kassim, c'est quoi le PNB? S.A. le produit non brut. B. Le produit national bancaire. C. Le produit national brut. Ou D, le produit non bancaire. C, le produit national brut. C'est clair. Le produit national brut. Et en langage des finances, qu'est-ce que le CAC 40? A, une obligation. B, un contrat. C, une action. Ou D, un indice boursier. C'est... D, un indice boursier. Oui. Allez, moi. Bien joué. Et pour terminer, Kassim, qu'est-ce qu'un prêt relais? Un prêt relais, S.A. un prêt qui fait le relais entre un nouvel achat et une vente. B. Un prêt qui fait le relais d'une action. C. Un prêt accordé en cas de difficulté de paiement. Ou D. Un prêt accordé par une nouvelle banque. La bonne réponse. Qu'est-ce c'est. Qu'un...
Oui, vous me dites. C'est un prêt accordé en cas de déficit. De difficulté de paiement, non. Plutôt un prêt qui fait le relais entre un nouvel achat et une vente. Proposition A. Mais néanmoins, vous enregistrez deux bons points et vous restez bien en vie dans cette émission, tout comme les trois autres, c'est-à-dire Victorien, Roi et Isidore. Je récapitule, le champion totalise 4 points. 0 point pour Roi, Victorien 1 point et puis Kassim 2 points. Personne n'est encore éliminé, personne n'est non plus qualifié. Tout va se jouer maintenant et Roi qui a 0 peut se qualifier, c'est possible. Et ça va donc passer par la seconde manche, les deux épreuves de la seconde manche. Challenge Express 1 et 2. Et après, on fera donc les comptes pour dégager les deux qualifiés pour la suite. Challenge Express maintenant. Retour sur le plateau pour la suite de cette émission, c'est Challenge Express. Première épreuve avec nos quatre candidats, Isidore, Roi, Victorien et Kassim. Et on va démarrer avec Kassim. Le principe du jeu est simple. Nous avons quatre boxes et petit crayon sur chaque box. Vous lancez et vous attrapez. À la fin de la séance, on compte les crayons. Et le nombre enregistré fera l'objet de points. Voilà, donc celui qui aura le plus grand nombre de crayons attrapés, voilà, gagne 3 points. Le second, 2 points. Le troisième, 1 point. Et le dernier, 0 point. Isidore, top, c'est parti. Voilà. Bien, 38, super. Il faut faire mieux que 38, les gars. Médard, vite, 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 vite. On est déjà en retard. Médard, vite, 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 vite. Allez. Ça va? Ça peut aller? D'accord. Top. C'est parti. Vous avez le temps. Ne vous précipitez pas de trop. OK. Lancer, hein? Il ne faut pas faire semblant de lancer. Comptez juste ce qui est ton. Oui. Oui. 3, 5, 6, 7, 8. Il a attrapé 32. Très bien. Voilà, Victorien. Victorien. Oui. Allez, on y va. Oh,
OK. Non, il faut... oui, non, non, vous l'avez déjà attrapé, non? Ou bien? OK. Ça tombe quand? OK, d'accord, très bien. Il y a un crayon qui s'est ajouté. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ah! OK. Balotage parfait. Kassim! Kassim, même processus. Le chrono, on est prêt. Top! Ouais. Vous avez le temps. Catastrophique. Oui, Meda. OK. 30. D'accord. On va départager Roi et Victorien. Trois gobelets à déplacer à l'aide de ballons de baudruche gonflés et à poser en forme de pyramide sur le plateau. Celui qui finit en premier gagne 2 points et le dernier 1 point. C'est pour vous départager cette épreuve. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, top. C'est parti. Tournez pour qu'on voit ce que vous faites. Passez derrière le plateau, c'est mieux comme ça, voilà. Oui, allez-y. Voilà, c'est terminé. Victorien marque 2 points de plus et Roi 1 point. Kassim 0 point. On est d'accord? Le premier gagne 3 points. Le dernier 0. Deuxième épreuve de Challenge Express, toujours avec nos 4 amis. 21 gobelets pour chacun et à l'aide de ces gobelets, vous nous construisez une pyramide, vous la déconstruisez en temps réel et le premier à finir gagne 3 points. Le deuxième, 2 points. Le troisième, 1 point. Et le dernier, 0 point. On est prêt? On vous donne le top à 0, vous y allez. On commence à 3, OK? À haute voix. On y va à... 3, 2, 1, passer derrière. On veut voir ce que vous faites. Victorien, il faut passer derrière. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, c'est ça ici. Voilà, maintenant.
Victorien, premier. Isidore, deuxième. Il faut poser d'abord. Voilà. Voilà. Bon, allez, très bien. 3 points de plus pour Victorien, 2 points de plus pour Isidore. Kassim marque 1 point sur ce coup. Et Roi, 0 point. Voilà, les jeux sont faits et c'est irréversible. 2 vont se dégager pour la suite et 2 vont donc quitter l'aventure maintenant. Isidore totalise 9 points à l'issue donc de cette dernière épreuve. Roi est resté à 1 point, Victorien 6 points et Kassim 3 points. Pour Roi et Kassim, ça s'arrête là et maintenant. Roi, non, du tout. La soirée ne donne pas. La soirée ne donne pas, c'est pourquoi. La soirée ne donne pas. Peut-être la prochaine occasion. La prochaine occasion. Oui. Allez, très bien. Mais en tout cas, ravi de vous avoir eu sur ce plateau. Ravi aussi. Oui, on a joué, on a essayé. C'est toujours bien de venir s'essayer, voilà. Oui. On s'est amusé un peu. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Si vous avez des amis à saluer, c'est maintenant. Oui, je profite pour saluer mes amis de l'ESA. Il y a Emmanuel et il y a Ren ici et Shadow. Emmanuel est où là-bas? Emmanuel. Très bien. Ren. Shadow. Ren. Ok. Et Shadow, c'est très bien. Nika. Qui? Nika. Nika. Oui. Ok. Voilà. La prochaine fois, il vous fera plaisir, il va gagner. Aujourd'hui, il va s'arrêter ici. Merci beaucoup. Kassim. Oui. Ah bon. Ça n'a rien donné. Bah. J'ai tenté ma chance. Signé oui. Ah, vous allez là. Ok. C'est le jeu. Oui. Il faut un perdant pour avoir un gagnant. Oui, c'est clair. Ouais, c'est ça. Bon. Je profite de l'occasion. Allez-y. Pour saluer toute la famille, ceux qui me suivent, mes amis qui m'ont convaincu. Votre famille, c'est quoi? Agbéré. Agbéré. Oui. Eh, Agbéré. Il est là-bas ou à la régie ou il est sorti, Agbéré? Il est là, ok. On a un Agbéré ici. Ok. c'est la famille? Oui, c'est okay. Vraiment. Très bien. À ma chérie. Mm-hmm. Bon, à tous ceux qui me suivent. C'est Agbéré d'où ça? Tchamba. Tchamba? Oui. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Ok. Merci beaucoup à vous, Kassim. Et Roi, on vous raccompagne. À la prochaine. Merci beaucoup.
Voilà, la suite de Challenge Express, c'est la dernière épreuve. Et Isidore et Victorien se mesurent sur cette épreuve. Le gagnant, c'est le champion du jour. Vous avez chacun un ballon de baudruche, 30 gobelets posés sur la table. Vous allez les chasser à l'aide de l'air que vous aurez à gonfler dans les ballons. On ne touche pas les gobelets de la main. OK? D'accord. C'est juste par la pression de l'air. On est d'accord? Le premier à finir, c'est le champion du jour. On y va à 0. Et à haute voix, s'il vous plaît. On y va! 3, 2, 1, 0. Merci beaucoup, merci. Victorien, c'est quoi le souci? Bon, d'abord, oui. Bon, dans l'enfance aussi, je n'avais pas utilisé ça comme cela. En fait, la première question que je me posais quand oui. on faisait le jeu, oui. que j'aimerais lui poser la question, s'il n'avait pas utilisé ça dans l'enfance, au fait. Uh-huh. Et c'est, vous, voilà. vous l'avez jamais fait dans l'enfance? Bon, je voyais les gens faire, hein. Mais moi... Et oui, parce que parce là... Parce qu'asphyxier l'heure dans ça, la mm-hmm. gonfler l'heure dans ça, la... c'est, pas... c'est difficile. Oui, on l'a remarqué, parce qu'il était très difficile pour vous bon. de le gonfler. Réessayez, on va voir. Ah, ouais. Eh oui, encore un effort. Non. Bon, mais écoutez, il n'est pas le seul. Hein. On a déjà rencontré des candidats comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens pour qui c'est difficile de souffler dans ces ballons. Bon, allez, c'est pas grave. Non, c'est grave. Non, c'est pas grave. Ça reste un jeu. Bon, donc, oui, vous êtes tombé sur le plus difficile pour vous. Et bon, voilà, on s'arrête ici. Merci, bon, ça a été en tout cas un plaisir de vous avoir. Oui, voilà. Et... Donc, bon, c'est un jeu. Oui. Il faut un perdant et un gagnant. Tout à fait. Mais chaque fois, je ne dois pas être même perdant quand même. Le ballon de baudruche vous a gagné. Non, dans la vie, c'est comme ça. Ouais. On a des points forts. Oui, et des points. Tout à donc, fait. Allez, merci. Bon. Merci beaucoup mais à celui vous. Aussi qui a préparé ça, c'est comme il a vu ma faiblesse. Est-ce que c'est ça? Bon. Bon. Bon, allez. D'accord. On salue. Oui, oui. Bon, mes remerciements vont à l'endroit de mon directeur. Oui. Le lieutenant-colonel, directeur aussi du CHL Longue Commune. Ah, toute son équipe. Oui, il s'appelle C'est le lieutenant-colonel Magamazi. Ah, voilà. Atafel Larry Toké. OK. Et toute son équipe ouais. du CHL Longue Commune. Mm-hmm. Je tire chapeau aussi à la patronne du service de la pharmacie, Dr Akpa. OK. Et tous ses collaborateurs, dont okay. je fais partie. Oui. Et je salue aussi toute l'équipe qui nous a soutenus. Mm-hmm. En l'occurrence, mon frère, oui. qui m'a accompagné. Il est où, le frère? Salut. Bon, je salue tous ceux qui nous suivent en direct. Mm-hmm. Mais un plaisir de faire votre connaissance. Merci. Parce que je vous vois en image. Ouais, aujourd'hui, je vous ai vu. À la télé, puis, aujourd'hui, on a eu l'occasion de partager ce plateau. Oui, vraiment. C'est ça. Merci. Bon, pour dire
tous ceux qui me suivent, je les salue. Très bien. Je n'oublie pas ma maman et ma mère et mon père et Apaguda. Ah ah. La famille Arokoum Apaguda. La famille Arokoum. Arokoum, hein? Oui. Apaguda. Et maman, elle s'appelle comment? Marguerite. Marguerite. Donc, bon, là-bas, elle fait de l'huile rouge. Donc, tout le monde l'a surnommé. Maman, l'huile rouge. Bon, en cabier. Non, chez vous, c'est pas Benim, c'est Panumto. Panumto. D'accord. Ah, voilà. C'est ça. Allez, merci beaucoup et vous rentrez bien. D'accord. On se dit à une autre fois. À une autre fois. Voilà. Bon, j'invite également tous les amis, les fonctionnaires. Oui, c'est pas. Ça fait du plaisir quand même. C'est pour tous les âges, c'est donc tout le monde peut venir. Mm. Et puis le jour où je serai de passage à Pagouda, je ferai tout pour rendre visite à maman. Il n'y a pas de souci, ça, voilà. Ça sera un plaisir. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bon, on les accompagne. Merci. Voilà, nous connaissons notre champion. Il reste champion, Isidore. Félicitations et... Voilà, ça fait une émission de plus, encore une petite marche, et puis voilà, ce sera la fin. Mais déjà, ce soir, vous avez la possibilité de repartir avec ça. La gazinière tant convoitée. Vous l'avez déjà ratée deux fois. Oui. Voilà. Peut-être que ce soir, ça sera la bonne occasion de repartir avec. On dit... Communément, on éveille que trois fois, ça ne rate pas. Donc, j'espère. Ok, dites-nous ça en éveille. Ok, à deux boutons, me glisse à nous. Ok. Donc, j'espère que ce soir, on va rentrer avec. Je serai très heureux pour vous. Okay? Ok. Mais vous le savez, pour avoir les clés qui vous donnent droit à l'ouverture des casiers, il faut bien répondre à mes 10 questions. C'est les justes casiers maintenant. Eh bien, on est de retour sur le plateau avec Isidore qui tente donc de répondre à mes 10 questions dans les justes casiers. Casier. Bonne chance, c'est 10 questions donc. Merci. 4 propositions à chaque question, mais vous avez la possibilité d'utiliser le joker à partir de la 5e question, une seule fois. Ok. Bonne chance. Merci. Et la première, le Togo fait partie des 29 pays africains qui constituent la communauté des États sahélo-sahariens, CINSAD. Dites-nous, à quelle date cette communauté fut-elle créée? A. 2 février 1998. B. 4 février 1998. C. 6 février 1998. Ou D. 8 février 1998. CINSAD a été créé le... ...6 février 1998. Non. C'était plutôt le 4 février 1998. Deuxième question. Où se trouve le siège de la communauté des États sahélo-sahariens? CINSAD. Le siège. A. Tripoli. B. Ouagadougou. C. Niamey. Ou D. Conakry. Le siège se trouve à Ouagadougou. Non. À Tripoli. La CINSAD, d'ailleurs, a été créée sur l'initiative de Kadhafi dans le temps. Voilà. Donc, le siège se trouve à Tripoli, en Libye. Question 3. En quelle année Faure Essozimna Niasingbe a été élu à la présidence tournante de la CEDEAO?
A, 2015. B, 2016. C, 2017. Ou D, 2018. Son Excellence Foresa Zimna Nyasingbe a été élu à la présidence de la CEDEAO en 2017. 2017. Bonne réponse. C'était précisément le 4 juin 2017. On gagne une clé. Bien. Fort, il vous a porté chance. Hein? C'est notre président. Oui. Question 4. Thiévier est le chef-lieu de la préfecture de Zion. Mais on compte combien de cantons dans cette préfecture? A, 10 cantons. B, 12 cantons. C, 15 cantons. Ou D, 17 cantons. Thiévier est formé de combien de cantons? Thiévier est formé de 12 cantons. Non, 17 plutôt. 17 cantons. On est toujours à une clé. Question 5. Quelle est la superficie de la région centrale du Togo? Rappel pour ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois que les Jusqu'Asiers, toutes les questions portent sur le Togo. Quelle est la superficie de la région centrale du Togo? A, 10 300 km². B, 12 400 km². C, 13 500 km² ou D, 14 600 km². La région centrale. 14 600 km². Vous me dites 14 600 km². Non, plutôt 13 500 km². Et on a des préfectures comme Blita, Sotobois, Tchamba, Sokodé, Mo. Ça fait 13 500 km². Vous avez toujours le joker. Le joker. Depuis 2016, c'est la question 6. Oti Sud est devenue une préfecture dans la région de la Savane. Quel est son chef-lieu? Oti Sud est devenue préfecture depuis 2016. Quel est le chef-lieu de cette préfecture? A, Takpamba. B, Gando. C, Kuntuare. Ou D, Kumongu. Oui. Le chef-lieu. De la préfecture de l'Oti-Sud. Kuntuare. Kuntuare, non. Il y a plutôt Gando. Gando. Attention, on n'a qu'une seule clé. Question 7. Inauguré en 1981, l'aéroport international de Niamtougou est contrôlé par la SECNA depuis quelle année? A, 2004. B, 2005. C, 2008. Ou D, 2009. Depuis 2004. Non. Depuis 2009. Question 8. Quel est le véritable nom du roi Mlapa III? Vous connaissez le nom? Dans l'histoire du Togo. Oui. Le roi Mlapa III de Togoville. Très bien. Quel est son vrai nom? A, Agomégan. B,
Placo, C, Améganvi, ou D, Pétouvi. Son véritable nom est... On a besoin de cette deuxième clé. Pardon. Agomégan. Non. La bonne réponse, c'est Placo. Son vrai nom, c'est Placo Nemlapa. Question 9. Le premier président du Togo, Silvanus Olympio, est mort en 1963. On est d'accord. Mais dites-nous, il est mort à quel âge? A, 60 ans. B, 62 ans. C, 64 ans. Ou D, 65 ans. Il était mort à 62 ans. Vous me dites? 62 ans. Non, il est mort à 60 ans, malheureusement. Il est mort à 60 ans. Et la dernière question, Isidore. Qui est l'actuel préfet de la préfecture du Golfe? Le préfet de la préfecture du Golfe s'appelle A, Komlan Agbotché. B, Kossi Atabou. C, Oukoura Agbanté ou D, Kossi Agbagli. Le 50-50. Le 50-50. Veuillez retirer deux mauvaises propositions. Vous avez entre Kossi Atabou ou Kossi Agbagli. Kossi Atabou. Vous me dites? Kossi Atabou. C'est la bonne réponse. Deux points. Non, j'allais dire deux clés. Bon, allez. On arrive donc au terme de cette belle séquence. On a deux clés. Synonyme d'ouverture de deux casiers. De deux casiers. Oui. Et avec deux clés, si vous êtes bien inspiré, vous pouvez repartir avec. OK? Vous ouvrez juste le bon casier et le cadeau est à vous. Respirez un bon coup. Dites-moi quand vous êtes prêt pour qu'on passe à l'ouverture des casiers. Je suis prêt. Ah, il est prêt. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite vraiment que vous repartiez à la maison avec ce magnifique cadeau. Mais tout dépend de vous. OK? Vous avez deux clés. Ouvrez les bons casiers. On n'a pas droit à l'erreur. OK? On ouvre quel casier pour commencer? Casier numéro 5. Casier numéro 5. D'accord. Pourquoi le chiffre 5? C'est juste un choix. Casier numéro 5, vous m'avez dit. Est-ce que la gazinière se trouve dans le casier 5? Voilà. Vous avez fait votre choix. Donc, vous voulez qu'on ouvre le casier 5? On y va. Malheureusement, le 5 n'est pas le bon casier ce soir pour vous. Il nous reste la clé de la dernière chance. Quel est ce casier qui nous nargue depuis quelques jours? Isidore? C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas moissonné beaucoup de clés, mais
On a encore une dernière chance. Oui. Oui. On ouvre le casier numéro... Je suis dans l'embarras. Vous êtes dans l'embarras, entre... Tout, à part le 5. Ça ici, d'accord. Il est dans l'embarras de tout, à part le 5. C'est normal, il connaît déjà le contenu du 5. Oui. Il va falloir choisir un. On ouvre... Aïe, 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 c'est dur. Le 1. Le 1 TVT. Est-ce que ce soir, Isidore va repartir tout heureux ou on aura encore à grincer les dents? Eh bien, il a fait son choix. Le 1. Est-ce qu'on l'a ici? Non. C'est pas dedans. C'était où? Ouais, il a besoin de vos applaudissements. C'est pas facile. Trop de stress. Voilà. C'était où? On va vérifier. 2, non. 3, non. 4, non plus. On a ouvert 5. Ah, il était là. Dans le 6. Bon, c'est pas grave. Il fallait ouvrir le 6, mais c'est pas arrivé, c'est pas grave. On est là encore demain, ensemble. Et pourquoi pas? Ça pourra nous sourire. Allez, merci beaucoup. Salut les champions, venez là. Et Isidore, et on se donne rendez-vous tout simplement demain et puis on va tenter... une nouvelle chance. Bah oui, pas trop déçu. Non, même bah, si vous l'êtes, je vous comprends. Allez, merci beaucoup. Et on s'applaudit. Merci surtout à vous d'avoir assisté à cette émission. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis et ont joué aussi depuis la maison. Merci à l'ensemble de l'équipe de la production et l'équipe technique. Rendez-vous demain à 16h sur la première. Allez, au revoir.